Bonjour tout le monde, bon, on est ici chez José voilà pour faire une rubrique voilà pour fêter l'anniversaire de 93. Donc voilà, on va interviewer certains joueurs. Ici à côté de nous, on a un Olympien, M. Lucchio. Raconte-nous voilà, une anecdote, quelque chose qui t'a marqué voilà, de ce titre. Cette année-là, en 93, le club nous avait offert un voyage en Argentine et au Brésil pour nous récompenser de nos deux finales. Donc voilà, sauf qu'il ne nous avait pas dit, c'est qu'on devait faire un match en Argentine contre une équipe de Buenos Aires. Donc voilà, Alain Gaillard, donc on venait quand même de sortir des festivités. On avait fait les deux finales, on était bien fatigués dans notre saison. Deux jours avant, on fait un barbecue avec ces Argentins, on sympathise, et il y a quand même quelques mecs solides. Et donc voilà, Alain Gaillard, il décide, il nous dit, bon les gars, ben, la veille du match, on va s'entraîner parce que bon, on ne va pas passer quand même pour des saucisses. Donc Alain Gaillard et Jacques Coquille, les entraîneurs de l'époque, se mettre avec nous dans l'opposition, voilà, dans le truc. Personne n'avait envie, et donc, voilà, un ballon qui tombe, deux ballons qui tombent. Voilà. Et notre ami Alain Gaillard, il dit, oh, stop. Alors, il nous réunit, il dit, putain, merde, con, putain, chier, mec. On va s'y filer un peu, on a un match, là, il faut qu'on s'y file. Bon, donc Alain Gaillard jouait demi de mêlée d'un côté, et à un moment, un avant, qui a fait une charge, et il n'a pas vu que c'était Alain Gaillard. Et Alain Gaillard a fini, les quatre fers en l'air, il a fait quatre roulades, écorché de partout, et l'entraînement s'est terminé sur cette note. Voilà, et donc après, on a fêté notre victoire, parce qu'on a quand même gagné contre ces Argentins, avec eux, voilà. Joyeux anniversaire, félicitations pour ce titre. Merci. Et que voilà, c'est resté à vie. Ça restera. Voilà, et bien, j'étais à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.